Retenez bien ce chiffre, 3 967 milliards de francs CFA. C'est la dette publique en cours au Burkina Faso au 31 décembre 2019. Pour vous donner une idée, en 2015 par exemple, on était à 2188 milliards de francs. On est donc passé d'un taux d'endettement de 35,5% en 2015 à 47% aujourd'hui. En 5 ans donc, on peut le dire, c'est énorme, mais on est encore loin des normes de l'UMOA estimées à 70%. Cependant, la question de l'allègement de cette dette reste tout de même posée et un défi, car chaque franc contracté engage à la fois les générations présentes, mais aussi les générations futures. Le défi de l'allègement de la dette publique, c'est le sujet que nous posons ce soir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à l'occasion de cette émission de la RTB en collaboration avec l'agence Karma Conseil et le soutien du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina et aussi le soutien du Parlement burkinabé. Nous aurons trois étapes dans cette émission. Un entretien avec un expert qui est avec nous en plateau. Nous aurons aussi des députés, deux notamment, qui vont nous rejoindre en cours de débat pour échanger avec nous. Et puis en troisième partie, nous allons vous offrir la parole pour que vous puissiez interroger ces députés sur leur rôle dans cet allègement de la dette publique. Bonsoir donc, professeur. Vous êtes donc Jacques Guinda Ouédraogo, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Ouagadougou. Merci de nous avoir rejoints. Et votre rôle sur ce plateau sera pédagogique, ce sera de nous expliquer en français facile tous les contours de la dette publique. Et nous commençons par la première question qui cherche à savoir exactement quand on parle de dette publique, c'est quoi au juste? Eh bien, il ne faut pas voir dans la dette publique quelque chose de particulier ou quelque chose de spécifique. C'est une dette due par le public, c'est-à-dire due par l'État, à ceux qui ont bien voulu lui prêter de l'argent. Exactement comme un individu, comme vous et moi, ou comme une entreprise qui doit de l'argent à quelqu'un qui a bien voulu le lui prêter. Ça peut être une banque, quand il s'agit d'entreprise, mais ça peut être aussi, j'allais dire, un voisin, quand il s'agit de ménage. Donc la dette publique, c'est, disons, l'argent que doit l'État à l'ensemble des personnes physiques et morales qui ont bien voulu lui prêter cet argent. Parce que vous, vous pouvez, comme moi, nous pouvons ensemble prêter de l'argent à l'État à travers des instruments, tout comme des pays peuvent prêter de l'argent à l'État, ou bien des entreprises, comme les banques commerciales, peuvent prêter de l'argent à l'État. Donc c'est l'ensemble des sommes empruntées qui ne sont pas encore remboursées. C'est ça qui constitue la dette publique. Alors, dette publique, on entend dette intérieure, dette extérieure. Quelle est la différence entre justement ces deux types de dettes? Voilà. C'est une question intéressante. La dette intérieure, c'est la dette libellée en la monnaie du pays qui s'endette. C'est-à-dire pour le Burkina? Par exemple, pour le Burkina, la dette du Burkina libellée en franc CFA, c'est la dette intérieure du Burkina. Et naturellement, vous pouvez imaginer que un Burkinabé prête de l'argent à l'État burkinabé, tout comme vous pouvez imaginer qu'un étranger prête de l'argent en franc CFA à l'État burkinabé. Eh bien, que ce soit un étranger ou un Burkinabé, dès lors que le prêt est libellé en franc CFA, en franc de la monnaie, disons, la monnaie nationale, eh bien, c'est une dette intérieure. Pour qu'on se comprenne bien, ce n'est pas donc de l'argent contracté seulement au Burkina Faso. C'est effectivement, un étranger peut avoir du franc CFA et le prête au Burkina Faso.
Voilà. Donc ce n'est pas de l'argent prêté uniquement par les Burkinabés au Burkina Faso. C'est de l'argent prêté par tous les agents économiques, mais libellé à la monnaie du Burkina Faso. Vous voyez. Donc c'est une question importante parce que souvent on entend parler de la dette extérieure des États-Unis pour désigner la dette libellée en dollars américains détenue par des Chinois ou bien par des étrangers. Eh bien, cette dette-là, c'est une dette intérieure américaine. La dette extérieure, c'est la dette qui est libellée en une monnaie autre que la monnaie du pays qui emprunte. Exemple, si le Burkina emprunte en dollars ou en yens ou en yuan ou en, je sais pas moi, en euros par exemple, eh bien ça c'est la dette extérieure. Alors, quelle est la situation justement de cette dette publique au Burkina aujourd'hui? Bon, comme vous l'avez dit en introduction, eh bien on évalue la dette globale au Burkina Faso autour de 3 900 milliards de francs CFA. Et cette dette, elle se ventile en dette intérieure autour de 2 009 milliards de francs CFA et en dette extérieure autour de 1958, quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui fait une répartition autour de 51% pour la dette intérieure et 49% pour la dette extérieure. Et comme vous l'avez dit, effectivement, je me suis amusé en venant à l'émission de regarder un peu l'évolution. Et le taux de croissance de la dette intérieure entre 2015 plutôt et 2019, c'est en moyenne de 16% par an. Donc ça augmente en moyenne de 16%. C'est-à-dire que chaque année... Ça varie, mais ouais. Si on veut rechercher un taux constant sur la période, c'est autour de 16% par an. À l'échelle d'un pays, ça représente quoi? C'est énorme? Non, ce n'est pas énorme, puisqu'on passe par exemple de 2000... combien de milliards en 2015 à 3 900, etc. Là. Et donc, quand on calcule le taux de croissance, ça donne les 16%. Alors, dernière question avant d'appeler les députés ici. Professeur, on a appris à l'occasion de la pandémie du Covid-19 que des pays ou des institutions ont décidé d'annuler leurs dettes. D'abord, ça veut dire quoi, annuler? Et puis, ça représente quoi pour le pays en termes de défi d'allègement, justement? Bon, effectivement, le FMI a dit qu'elle annulait la dette d'un certain nombre de pays, dont le Burkina Faso, sur une période initiale de 6 mois. Et d'autres institutions ont parlé plutôt de moratoire. L'annulation, ça veut dire simplement qu'on supprime ce qu'on devait payer. Et le moratoire, ça veut dire simplement qu'on suspend les paiements et que ça va reprendre dans une certaine... voilà, etc. J'ai regardé les chiffres du tableau des opérations financières de l'État. Il se trouve que pour 2020, l'État devait payer au FMI 17 milliards de francs CFA. Pendant les 6 mois? Non, pendant toute l'année. Voilà, donc si on prend la période initiale de 6 mois, eh bien, ça va être la moitié de ça. Donc ça fait 8,5 milliards qui seront annulés, que l'État ne doit pas rembourser. Voilà. Et maintenant, c'est pour le moratoire. Eh bien, je crois que le service de la dette extérieure en 2020 était estimé autour de 80 milliards de francs CFA. Donc, si on suspend ça, ça veut dire que ces 80 milliards seront payés, mais après la période suspensive. Voilà. Donc, si on prend ça et puis on regarde, ça peut être vu comme de l'argent qui vient dans les caisses de l'État, sauf que avec la Covid-19, la situation financière de l'État s'est aggravée. On passe d'un déficit budgétaire global qui était estimé à 245 milliards
Et suite à la COVID, eh bien, le déficit budgétaire se monte maintenant à 444 milliards. Donc, si vous soustrayez 8 milliards ou 80 milliards de 444 milliards, bon, bien entendu, ça diminue le déficit. Mais ça ne vous donne pas de l'argent comme ça pour faire face à d'autres dépenses. Alors, avant de continuer, nous allons appeler ici des parlementaires qui sont avec nous. J'appelle les honorables Alexandre Sankara et Moussa Tendano à nous rejoindre en plateau pour qu'on puisse échanger sur cette dette-là. Honorable Sankara, installez-vous là. Honorable Tendano aussi. Avant de revenir à vous, nous allons donc écouter, nous avons rencontré aussi un spécialiste qui nous parle du rôle des parlementaires. Vous savez que les parlementaires ont un rôle clé dans l'allègement de la dette. Ils sont ce qu'on appelle le dernier rempart parce qu'ils votent la loi de finances, autorisent les accords de prêt ou les demandes de prêt. Et donc, nous avons rencontré M. Youssouf Ouattara, qui est directeur exécutif du Centre d'information et de formation et d'études sur le budget. Écoutons. De manière classique, le Parlement contrôle l'action du gouvernement, donc, y compris sur les questions budgétaires. Donc, le Parlement vote la loi, particulièrement la loi de finances. Donc, déjà, à l'analyse de la loi de finances ou du vote de la loi de finances, le Parlement déjà peut s'assurer si les engagements que notre État a pris pour certains secteurs, notamment les secteurs sociaux, si le gouvernement respecte ces engagements. Également, le gouvernement, en soumettant le projet de loi ou en soumettant les demandes d'accord de prêt, ça doit donner l'occasion au Parlement d'apprécier la pertinence des investissements qui sont inscrits, d'apprécier donc la pertinence des destinations de ces financements, de ces prêts. Donc ça, c'est une occasion pour le Parlement de juger, d'apprécier, de contrôler l'action du gouvernement. Il y a aussi la loi de finances rectificatives ou la loi de règlement également, à travers laquelle le Parlement peut sanctionner l'action du gouvernement en termes d'exécution de la loi de finances. Mais surtout, il faut souligner les opportunités de commission d'enquête parlementaire, de commission d'information, parce que lorsque les prêts sont contractés pour exécuter des travaux ou pour fournir des services et des biens publics, il faut s'assurer que, au-delà de la pertinence de ces infrastructures, de ces choix, que la mise en œuvre respecte les normes de bonne gouvernance et de qualité. Et ce n'est pas toujours le cas. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Simon. Et merci de nous avoir rejoints en plateau ici. Je précise que cette émission est participative et que vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 pour poser des questions ou apporter des commentaires. Monsieur le député, vous avez suivi notre expert ce soir qui a donné la situation globale de la dette. Vous, en tant que parlementaire, vous avez écouté également M. Youssouf Ouattara. Lorsqu'on vous envoie un accord ou une demande de prêt sur la table, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous dites, attention, nous avons une responsabilité ici parce que nous contractons cette dette pour les générations futures et attention, contrôlons avant de voter ou bien, bon, on passe par le jeu de ce qu'on appelle les levées de main classiques par discipline de parti. Et puis on dit, écoutez, allez-y, voilà, advienne que pourra. Merci. Non, oui, Simon, c'est vrai que le rôle du Parlement a été bien défini par le directeur du SUFWEB. Lorsque nous recevons les conventions de financement, parce qu'il faut préciser que c'est l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif donc, qui donne les autorisations de ratifier ces conventions-là, parce que les financements, les engagements financiers de l'État sont du domaine de la loi. C'est ce que la Constitution dit, notamment ses articles 102. Donc lorsque nous recevons ces conventions-là,
nous entourons de toutes les garanties. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous avez les compétences qu'il faut pour examiner ces conventions-là, leur pertinence, leur objet et surtout les modes de financement, etc. C'est au vu de tout cela que l'Assemblée nationale, notamment à travers le vote, la décide donc de donner les autorisations au gouvernement pour engager l'État dans la contractualisation donc, de ces emprunts. Honorable Tendano, on n'entend pas souvent que le Parlement a rejeté peut-être des conventions à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça n'arrive pas ou bien vous vous dites, bon, écoutez, à partir du moment où c'est le gouvernement, bon, on soutient et puis on verra. C'est vrai, merci bien. Disons que lorsque vous avez suivi la présentation du monsieur de Soufoueb, en fait, il y a une étape qu'il a peut-être omis. Il y a une loi d'habilitation que le Parlement vote pour autoriser le gouvernement à contracter les financements en vue de réaliser les projets contenus dans la loi de finances. En fait, donc, on n'a pas le temps de détailler toutes les étapes parce qu'il y en a neuf avant d'arriver au Parlement. Donc, ça veut dire que une fois que la loi d'habilitation est votée, le Parlement entreprend toutes les démarches et signe les accords. Donc, en réalité, ce qui nous revient, c'est des ratifications par rapport maintenant aux conventions qu'ils ont pu signer, aux accords qu'ils ont signés. Donc nous ratifions. Ça aussi, c'est la loi qui oblige le gouvernement à ramener les dossiers pour ratification. À cette occasion, on s'assure que, voilà, que les accords ratifiés, les accords signés sont conformes à nos autorisations préalables. Voilà comment ça se passe. On revient à vous. On va suivre un deuxième sujet qu'on a réalisé avec à la fois la direction de la dette publique au ministère de l'économie et des finances, mais aussi avec M. Yacouba Ouattara qui va revenir. Nous écoutons et on commence par M. Serge Towé sur la situation de la dette actuelle. Je disais que l'encours de la dette du Burkina Faso aujourd'hui est environ de 3 967 milliards. Dont à peu près 2188 milliards pour la dette extérieure et 1778 pour la dette intérieure. En général, lorsqu'on veut évaluer le poids de la dette d'un pays, on utilise surtout le ratio en cours de la dette sur PIB, par rapport, c'est-à-dire donc le produit intérieur brut. Et pour notre part, pour notre pays, ce poids est ressorti à environ 47%. Pour une norme de 70%, une norme communautaire au niveau de l'UEMOA, on estime donc que tant que ce ratio est en dessous de 70%, et la dette est toujours soutenable. L'essentiel de la dette est destiné aux projets structurants, c'est-à-dire les projets de route, les projets d'aménagement hydroélectrique, les projets d'aménagement hydro-agricole. Et voilà où va l'essentiel de l'endettement du Burkina Faso. Le service de la dette est constitué donc de toutes les charges, c'est-à-dire taux d'intérêt, commission à payer et du principal. Donc, lorsqu'on fait une analyse rétrospective, on a que en 2017, on avait à peu près 519 milliards qu'on a payé. En 2018, on est monté à 546. En 2019, on est à 635 milliards. Et en 2020, nous pensons que le budget, le service de la dette devrait se maintenir à peu près à 819 milliards. Mais là encore, il ne faut pas oublier qu'il y a certains efforts que l'État va faire pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Et ces efforts-là vont consister à des emprunts. Donc, il y en a qui seront de court terme, il y en a qui seront de moyen ou long terme. Et donc, il faudra prendre en compte les prêts de court terme là, au niveau du service de la dette en 2020. Donc, on s'attend un peu à ce que ce soit légèrement supérieur à 819 milliards. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur la pertinence du choix des investissements qui sont faits. On peut également s'interroger sur la qualité de certains investissements. Et vous prenez par exemple la route de Yalgado, dont le financement a été acquis sur prêt. Et ça fait des années que les travaux traînent. Donc, un prêt, il est destiné à fournir un service public aux citoyens. Donc, on constate avec cet exemple, par exemple, il y a quand même un retard
fourniture du service. L'autre élément qu'il faut noter, c'est qu'il y a certains indicateurs de développement qui ne s'améliorent pas de manière extraordinaire. Si on prend l'indice de développement humain, qui était de 0,413 en 2015, en 2018, nous sommes toujours à 0,439, ce qui n'est pas une amélioration vraiment extraordinaire. En termes de seuil de pauvreté, ça veut dire la proportion de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, nous sommes à 40,1% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, on peut se poser des questions sur l'efficacité de la dette, donc les dettes qui sont contractées, est-ce qu'elles permettent réellement de booster notre développement et de fournir des services et des biens publics à la population pour qu'elle puisse sortir de la situation de pauvreté ou des difficultés dans laquelle elle se trouve. Alors, monsieur Ouattara donne un sujet assez intéressant sur votre deuxième pan, on va dire, de votre mission, c'est-à-dire le contrôle de l'action gouvernementale. Une chose est d'autoriser la ratification donc de la convention, et l'autre chose, c'est de vous assurer que les réalisations se passent bien sur le terrain. Et il donne un exemple assez éloquent. Ça fait bientôt 5 ans que la route Yalgado, c'est un exemple parmi tant d'autres durs. On voit des écoles qui s'écroulent après de l'argent qui a été contracté, on ne voit pas toujours les parlementaires sur le terrain. Pourquoi ? Non, enfin, on ne voit pas toujours les parlementaires sur le terrain. Pourtant, les parlementaires sont sur le terrain. C'est vrai, notre rôle en amont, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, quand nous accordons des autorisations au gouvernement pour contracter des emprunts, pour construire des écoles, des hôpitaux, etc., nous devons par la suite aller sur le terrain pour nous assurer que l'argent a été judicieusement utilisé. Nous le faisons à travers, il y a 3 ou 4 mécanismes qui nous permettent de contrôler l'action du gouvernement, à travers des questions orales. On peut interpeller un ministre, par exemple, sur bon, qu'est-ce qui fait que la route de l'hôpital, effectivement, nous sommes à cet état-là. Le ministre va venir et des fois vous suivez en direct de l'Assemblée nationale, ces questions orales-là. Nous pouvons aussi initier des questions écrites, c'est-à-dire au lieu d'appeler le ministre, on écrit pour qu'il nous réponde par écrit. Mais nous pouvons aussi faire des missions d'information, c'est-à-dire sortir, aller rencontrer l'entreprise, aller rencontrer le ministère des infrastructures pour comprendre pourquoi il y a un dysfonctionnement dans la construction de la route. Nous pouvons enfin aussi faire des enquêtes parlementaires. Et à ce sujet, l'honorable Tendano qui est là a été président d'une commission d'enquête parlementaire justement sur la réalisation des infrastructures. Je crois que je vais lui laisser la parole. Alors, honorable, nous entretienne sur ça. Ok, merci bien. Je crois qu'il a bien planté le décor. C'est pour dire que nous avons beaucoup de mécanismes, hein, les missions d'information, les questions orales, les questions écrites et les commissions d'enquête parlementaire. Par rapport... Ça, ce sont peut-être ce que vous pouvez citer. Oui. Les téléspectateurs vont vous demander, en entendant la route Yalgado, dure toujours 5 ans. Oui, j'allais intervenir. Nous avions interpellé le ministre des Infrastructures par rapport à la route de Yalgado, qui dure par une question orale. Et il est venu répondre devant l'Assemblée et il nous a expliqué pourquoi il y a ces lenteurs. Parce qu'effectivement, le fournisseur est défaillant, mais résilier le marché allait encore être plus difficile à achever la réalisation de la route. Donc on a compris, mais heureusement, ils ont pu trouver une solution pour pouvoir faire avancer le projet, parce que c'est sur un financement extérieur. Il n'y a pas que ça, il y a des stades inondés, des panneaux qui s'écassent, que ce n'est même, il n'y a même pas encore la réception. Le 11 décembre à Tenkodogo est révélateur parce qu'il y a des infrastructures qui n'ont pas été réceptionnées, qui sont déjà emportées par la tempête. Nous sommes soucieux de ces aspects en matière d'investissement et c'est pour ça qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été réalisée sur les maîtres d'ouvrage délégués. C'est pour dire que nous avions par exemple Faso Bara. On a beaucoup de, au total, 35 mètres d'ouvrage délégués qui réalisent des infrastructures. Et le Parlement a choisi ce volet parce que, qu'est-ce qu'on a constaté? Les ministères, au lieu de sélectionner les prestataires eux-mêmes, ils se réfèrent à des maîtres d'ouvrage délégués qui sont techniquement plus outillés. Et nous avions contrôlé les réalisations des infrastructures par les maîtres d'ouvrage délégués
au niveau de l'Assemblée. Et j'étais le président de cette commission. Et nous avions produit un rapport, et le rapport a été rendu public, et nous avions envoyé les recommandations au niveau du gouvernement. Et il y a une commission chargée du suivi des recommandations qui suit la mise en œuvre de ces recommandations. Et ce que vous dites, c'est réel. Nous l'avions constaté nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas utiliser les financements extérieurs qui seront remboursés par l'argent du contribuable et ne pas se soucier de la qualité des infrastructures qui sont livrées, qui sont réalisées par des Burkinabés. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'on ne peut pas tout comprendre que des Burkinabés fassent ce travail-là dans leur propre pays. Mais ça s'est réalisé et nous avons les recommandations et voilà, qui ont été transmises. Et malheureusement, il y a une mise en œuvre timide de ces recommandations. Et justement, les recommandations, quand vous parlez des recommandations, c'est quel pouvoir vous avez justement vis-à-vis de l'exécutif, honorable Sankara? Bon, il faut dire que tout ça, ça participe de l'amélioration de la démocratie. Au stade actuel de notre démocratie, il faut dire que les parlements burkinabés, pas seulement burkinabés, les parlements africains ne jouent pas pleinement leur rôle. Voilà, il faut être franc, il faut être objectif. Pas que les mécanismes ne nous les permettent pas. Quand vous regardez, vous prenez la Constitution, je crois dans les articles 84 ou 94, je ne me rappelle plus, il est clairement dit que nous pouvons faire des motions de censure. Ça veut dire que si un gouvernement, les parlementaires estiment qu'un gouvernement ne travaille pas bien, contracte des prêts pour et ces prêts sont détournés, l'Assemblée nationale peut décider de voter une motion de censure pour faire tomber un gouvernement. Nous pouvons aussi faire des motions de confiance, c'est-à-dire nous refusons notre confiance à un gouvernement. Ça, mais je ne pense pas que dans l'histoire de notre pays, on soit arrivé à là. Pourquoi? Bon, c'est comme je le disais au début, c'est la nature de nos régimes qui sont semi-présidentiels, etc., et qui ne permettent pas, avec des majorités très, très fortes, qui ne permettent pas donc de jouer à fond ces mécanismes démocratiques-là. Voilà. Et on préfère, député Tendanon, applaudir, apprécier peut-être la beauté de l'exécutif. Non, que pas, de poser les vrais problèmes. Non, pas de cette manière, M. Gongo. Et c'est pour dire qu'il y a un travail qui se fait, pas seulement en plénière, dans les commissions. Et les vrais débats se font dans les commissions. Et le problème, c'est que le vote au niveau de la plénière ne reflète pas souvent les débats qui se passent en commission. Parce que nous interpellons suffisamment. On interpelle fortement au niveau des commissions, mais lorsqu'on va en plénière, bon, il l'a dit, hein, c'est une question de, voilà, de majorité et de l'opposition. Donc, lorsque, voilà, on va continuer à soutenir le gouvernement de la majorité, ça pose véritablement un problème à certains niveaux. C'est ce que j'ai appelé la discipline du parti, c'est-à-dire que, bon, à partir du moment où nous avons eu le pouvoir ensemble, faisons tout pour avoir peut-être le prochain mandat, et puis bon, le reste, on verra. Ok, je pense que c'est à peu près cela, mais disons que notre démocratie, nous sommes en train de l'apprendre ici, nous sommes en train d'avancer. Parce que si vous prenez même les débats parlementaires, et voilà, comparé aux législatures passées, vous allez constater qu'il y a une nette amélioration, et c'est la première fois qu'une législature organise, et nous sommes actuellement à sept enquêtes parlementaires, commission d'enquête parlementaire. Ce n'est quand même pas rien. Par rapport à six législatures qui n'ont fait peut-être qu'une seule commission, une seule enquête parlementaire. Mais on peut vous rétorquer aussi à quoi sert peut-être de sortir, faire des informations ou bien des missions parlementaires s'il n'y a pas peut-être de. Vous n'avez pas de moyens de contrainte vis-à-vis de l'exécutif. Ça ne bouge pas entre griffes après vos sorties. Non, nous pensons que cela va venir. Cela va venir avec, bien sûr, la veille citoyenne qui est en train de s'organiser au niveau de notre pays. Donc, de plus en plus, nous serons obligés d'agir dans l'intérêt de nos populations. Alors, professeur, on a entendu M. Ouattara tout à l'heure dire que le problème de notre dette, ce n'est pas tant de contracter la dette, parce que tous les pays le font, mais c'est l'efficacité. Parce que jusque-là, on est à 47% du taux de notre PIB, mais il y a 41% de Burkinabés qui vit encore sous le seuil de pauvreté. Comment expliquez-vous cela? Bon, je pense que au moment utilisé à bon escient, la dette contient, j'allais dire, un mécanisme vertueux. Et pourquoi?
Parce que si vous empruntez, par exemple, un montant, vous devez le rembourser avec l'intérêt, n'est-ce pas? Donc, vous devez produire plus que ce que vous avez emprunté. Donc, la dette pousse normalement l'emprunteur, que ce soit une entreprise ou un individu, à faire un effort et à produire plus. Et donc, ça profite à l'ensemble de la société. Et normalement même, les projets publics aussi, c'est la même chose. Parce que pour, par exemple, emprunter pour une route, on étudie quand même la rentabilité du projet, etc., etc., au départ. Donc, normalement, si la route se réalise, normalement, on devrait avoir des effets positifs par rapport à la situation initiale. Donc, la dette n'est pas une mauvaise chose. C'est même une bonne chose qu'on puisse s'endetter. Cela étant, les infrastructures qui sont réalisées, parfois c'est très difficile de mesurer avec précision leur impact. Si vous prenez la construction d'un dispensaire, comment vous pouvez mesurer l'efficacité de la construction d'un dispensaire directement comme ça? C'est quelque chose qui est diffus, qu'on ne peut pas saisir. Voilà. Donc moi, je ne peux pas, je ne suis pas tellement d'accord lorsqu'on dit on fait des infrastructures, eh bien, elles ne sont pas efficaces parce qu'on ne constate pas une amélioration de la pauvreté. Qu'aurait été la pauvreté si cette infrastructure n'avait pas été réalisée? Qu'aurait été la pauvreté si cette route n'avait pas été réalisée? On ne peut pas saisir ça. Cela étant, moi je pense que pour qu'une infrastructure soit efficace, il faut qu'elle soit dans un environnement même qui est porteur d'efficacité. C'est ce que veut dire M. Ouattara en fait. Mais il n'a pas dit ça. C'est-à-dire que quand vous voulez investir, il faut choisir un secteur porteur. Non, c'est-à-dire que si vous... vous pouvez choisir un secteur porteur, mais si vous faites quelque chose qui n'est pas dans un environnement qui lui-même est porteur d'efficacité, eh bien, vous n'aurez pas la pleine efficacité de votre infrastructure. Je donne un exemple. Si vous prenez, par exemple, les chemins de fer, vous construisez, par exemple, un chemin de fer. Et puis, le chemin de fer reste le monopole, par exemple, d'une personne. Eh bien, vous aurez un beau chemin de fer, mais vous n'aurez pas beaucoup de trafic. Le trafic ne va pas s'améliorer parce que nous sommes dans un contexte de monopole. Tandis que si vous aviez le chemin de fer qui est libéralisé, vous allez avoir beaucoup de gens, par exemple, qui utilisent le même chemin de fer avec des locomotives, des sociétés différentes. Donc, le système porteur d'efficacité là, c'est le système qui permet à plusieurs investisseurs d'utiliser le même chemin de fer. Et si vous faites un chemin de fer et puis vous restez dans le monopole, eh bien vous avez votre chemin de fer, mais vous n'avez pas l'efficacité. Alors, vous n'avez pas une amélioration. Oui. Donc je dis que s'il n'y a pas d'efficacité dans les infrastructures, c'est parce que les infrastructures ne sont pas nécessairement dans un environnement porteur d'efficacité. D'accord. Puisqu'on a dit que cette émission est participative, on commence. Je précise que vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03. Monsieur Bouraï nous appelle de Wargaï. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Zongo. Nous vous écoutons. Mes questions ont déjà été posées et j'ai vu la réponse de Monsieur le député. Cependant, je m'en vais maintenant leur poser beaucoup de questions là-dessus, puisque la réponse n'a pas été satisfaisante. Posez deux pour permettre à d'autres personnes de poser. Voilà, donc le peuple vous a élu, vous êtes l'œil et l'oreille du peuple. Et vous voyez que le gouvernement qui est en train de faire, ça ne va pas. Et vous dites que vous avez des sanctions ou bien des pétitions ou bien des quoi. Mais quand vous voyez que ça ne va pas, pourquoi ne pas démissionner et puis laisser le gouvernement faire son travail? On vous met devant pour que vous puissiez faire. Et celui qui travaille avec vous, vous corrompt. Il faut que vous voyez, vous ne pouvez pas corriger. Il faut démissionner. Ça, c'est la première remarque. Deuxième chose, est-ce que vous suivez correctement? Parce que ici, lorsque vous êtes élu, on dit que vous êtes devenu un député national. Mais vous êtes au nombre de... J'ai oublié le nombre de députés. Alors que les ministres là, ils ne sont pas nombreux. Mais je ne comprends pas. Vous nombreux contre une minorité.
et vous laissez le peuple souffrir dans cette chose. Donc j'aurais aimé, si j'étais à votre place, que vous puissiez faire comprendre au peuple quelles sont vos actions que vous menez. Parce que tout ce que vous avez à dire au journal, là, et sur la table, tout le monde ne comprend pas. Il faut sortir, sensibiliser le peuple. C'est ça même que le peuple va choisir son vrai député, son président. Et quand ça ne va pas, le peuple est conscient. Sinon, nous ne pouvons pas payer les dettes que les gens ont contractées et nos petits-petits-petits-petits vont toujours payer. Et vous êtes là, on a eu confiance en vous, et puis vous êtes là maintenant, vous vendez le peuple devant le gouvernement. Franchement, je suis très énervé. Je vous remercie beaucoup. Non, ce n'est pas l'espace de s'énerver, mais de poser des questions, malheureusement. Voilà. Honorable, répondez aux questions de Brahima Nyambré. Pourquoi vous ne démissionnez pas si vous n'arrivez pas à faire ce que le peuple vous demande? Et puis, ce que vous faites, il n'y a pas de lisibilité, visiblement. Oui, peut-être que M. Yambré a certainement des raisons de s'énerver. On comprend très bien la frustration quand, effectivement, on pense que voilà, tout ne fonctionne pas comme cela devrait l'être. Donc, c'est compréhensible. Maintenant, pourquoi on ne démissionne pas? Bon, imaginons que tous les députés démissionnent. Soit on décide de ne plus avoir de Parlement, ou bien si, d'une autre façon, si ceux qui sont là démissionnent, il y aura d'autres députés. C'est pas le problème, ce n'est pas la démission des députés. Le problème, c'est améliorer l'efficacité du travail parlementaire. Et ça, ça demande à ce que beaucoup de réformes soient faites. Ça demande d'abord que les citoyens eux-mêmes puissent élire des députés conscients de leurs responsabilités et de leurs rôles. Parce que je disais tantôt que on n'est pas jusqu'à présent sorti des votes mécaniques. Oui, sinon, tous les mécanismes constitutionnels sont là pour permettre aux députés d'exercer pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Mais maintenant, la question est pourquoi on n'arrive pas à jouer ce rôle-là pleinement. Ça, il y a beaucoup de pesanteurs, beaucoup de contraintes que je ne vais pas soulever ici, que de toute façon les gens connaissent. C'est les majorités hein, qui fonctionnent. Si, par exemple, on décide de faire tomber un gouvernement parce qu'il a mal agi, il faut bien qu'on dit qu'il faut la majorité, les trois quarts des députés. Nous sommes 127. Donc ça veut dire que les députés de la majorité qui ont mis en place ce gouvernement doivent savoir, doivent accepter, voter contre ce gouvernement. Bon, est-ce que dans les contextes actuels de nos démocraties, est-ce que c'est faisable? Est-ce que je ne pense pas. Honorable Tenano, sur la deuxième merci. Question. Ok, merci bien. Je pense qu'il y a lieu peut-être qu'on explique un peu, si vous permettez. Allez-y. Parce que nous travaillons, mais nous ne travaillons pas dans des conditions optimales pour pouvoir exercer pleinement nos fonctions. Si vous prenez les députés, nous ne sommes pas tous des intellectuels. C'est la fonction politique qui nous a amenés là-bas. Donc nous devons avoir des assistants parlementaires pour nous assister et nous accompagner, et même dans le traitement des dossiers, des projets de loi qui sont soumis, dans les interpellations, nous n'avons pas d'assistants parlementaires. Nous n'avons même pas de bureau. Et si vous prenez, nous partons en province, nous n'avons pas, par exemple, de bureau ou un endroit où nous pouvons, par exemple, nous asseoir et puis faire la redevabilité. C'est souvent dans les radios, ou bien ceux qui ont les télés, ils font dans les télés, etc. Donc, les députés travaillent dans certaines conditions. Nous comprenons que c'est les réalités du Burkina Faso. Donc, on fait avec les moyens qui sont mis à la disposition des parlementaires. Deuxièmement, il ne faut pas que les gens disent que rien n'est fait. Ça, au moins, je pense qu'on doit s'entendre sur ce point-là. Il y a au moins quelque chose qui est fait sous la 7e législature. Nous votons des lois. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées, surtout routières, ont été réalisées. Il y a des écoles qui sont en train de se construire. C'est grâce au travail. Et qui tombent parce que oui, on est obligé de reprendre les mêmes prêts. Simon Gongo, c'est pas toutes les infrastructures. De réinvestir encore au même endroit là où on avait contracté des prêts. Nous sommes sur chaque école qui tombe. Donc, où est le défi de l'allègement de la dette? C'est la question justement que les téléspectateurs peuvent se poser. Voilà. Non, on comprend. Chaque école qui tombe, chaque CSP qui est décoiffé, ça fait très mal. Parce que c'est l'argent du contribuable qu'on utilise pour encore faire les réhabilitations. Ça fait très mal. Mais la proportion des infrastructures endommagées
n'est pas égal au moins à 100%. Donc, il y a quelque chose qui est fait. Tout n'est pas bien, mais il y a quelque chose qui est fait. Donc, dire de démissionner parce que, tout simplement, et nous n'avons pas chose, je pense que c'est son point de vue, mais nous pensons que quelque chose est fait. Et par rapport à ça, et il faut... Le procès veut réagir, mais nous allons prendre M. Bachir ou Dera qui nous appelle de Kourougou. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. OK. Et nous allons vous demander de poser juste une question parce que nous sommes pris par le temps. Il y a d'autres personnes qui attendent. OK. Il n'y a pas de problème. Non, je ne vais pas passer de commentaires. D'accord. Je vais aller directement à ma question. OK. Voilà. Donc, si vous prenez les dernières années, on voit que l'État a beaucoup, a plusieurs fois fait recours au bon des trésors. Oui. Voilà. Et que... on sait que ces bons de trésor sont à un taux d'intérêt très élevé. Mmh. Voilà. Donc, ma question est que, est-ce que si l'État continue dans cette lancée, on ne risquerait pas de compromettre même l'avenir de ce pays? D'accord. Voilà. Alors, là, on va donner la parole au professeur sur justement les bons de trésor. Est-ce qu'on ne compromet pas l'avenir du pays? Non, effectivement, quand on regarde les statistiques, on voit que les emprunts intérieurs augmentent plus vite que les emprunts extérieurs. Donc l'État emprunte de plus en plus au niveau national, n'est-ce pas, qu'auprès de, disons, de prêteurs, voilà, de prêteurs étrangers. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça veut dire à ce moment-là que l'argent reste, n'est-ce pas, au niveau national. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Ensuite, la manière d'emprunter. En fait, l'emprunt par émission de bons du Trésor se fait sur la base de propositions, n'est-ce pas, des prêteurs. C'est-à-dire ce sont les prêteurs même qui proposent le taux de l'intérêt à l'État. Et il y a un mécanisme qui est mis en place et on prend les taux les plus faibles jusqu'au montant qu'on souhaite prendre. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce n'est pas l'État qui fixe un taux élevé, c'est en quelque sorte le marché qui détermine les taux, puisque c'est celui qui prête là, qui propose le taux. S'il est retenu, eh bien, on lui paye son taux. Voilà. Donc ce n'est pas l'État qui fait, c'est l'État du marché simplement qui est reflété par les taux de l'intérêt oui, qui apparaissent au niveau du trésor. La question de M. Dera, c'est de savoir pourquoi recourir à cela, alors que est-ce que l'État ne risque pas d'être en défaut du paiement, puisque le taux est visiblement élevé? Bon, le taux est élevé, sauf que là, c'est en monnaie nationale. Donc là, il y a moins de contraintes. Tandis que si vous recourez à l'extérieur, eh bien, vous avez des problèmes, puisque vous ne pouvez pas, peut-être, à un certain moment, payer l'extérieur parce que vous n'avez pas suffisamment de devises. Ça, c'est un problème. Donc, c'est ça qui fait que l'État ne peut pas mécaniquement, comme ça, chaque fois, se référer, n'est-ce pas, à l'extérieur. Sans oublier aussi que les prêteurs extérieurs, eux aussi, regardent. Ce n'est pas parce que vous demandez qu'on vous donne. Donc, vous pouvez aller à l'extérieur, taux de l'intérêt faible, n'est-ce pas, Banque mondiale, etc. Mais la Banque mondiale peut dire, bon, moi, je ne vous finance pas. Voilà. Donc, l'État a des contraintes. Alors que vos projets demeurent. Mais oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le marché qui détermine le taux de l'intérêt du trésor et on ne peut pas recourir systématiquement à l'extérieur parce qu'il y a des risques même sur le taux de change. Et puis ensuite, bien entendu, vous n'avez pas des prêteurs extérieurs toujours prêts à vous donner de l'argent. C'est ça le problème. D'accord. Sur la page Facebook, il y a M. Ali Doubari qui dit « C'est très malhonnête de penser à ce qu'on allège une dette à vous contracter. Une dette utilisée à bon escient apporte toujours un bénéfice. » C'est très malhonnête qu'on... Enfin, il fait un commentaire. Il dit « Au lieu de demander à ce qu'on allège les dettes, ce n'est pas la bonne manière, mais en contractant une dette, on devrait plutôt travailler à ce que cette dette-là apporte un bénéfice. Donc, c'est de dire qu'il faut beaucoup plus travailler, avoir un bénéfice dans les dettes qu'on contracte. Oui, sauf que... Il s'attaque un peu à ceux qui disent chaque fois alléger nos dettes parce que, bon, écoutez, on n'arrive pas à payer peut-être. Moi, je suis
tout à fait d'accord avec lui. Il faut qu'on fasse l'effort de payer la dette. Puisque si on fait l'effort, ça veut dire qu'on progresse. C'est-à-dire qu'on produit plus, etc., par rapport aux emprunts. Donc nous-mêmes, nous progressons. Mais cela étant, objectivement, les infrastructures publiques, ce n'est pas des infrastructures, par exemple, qui donnent des recettes comme ça directes. Quand vous construisez, par exemple, un dispensaire, vous ne pouvez pas attendre des recettes directes, n'est-ce pas, de ce dispensaire-là pour rembourser. Ce n'est pas la même chose, par exemple, que quelqu'un qui emprunte pour créer, par exemple, une entreprise de fabrication de concentrés de tomates, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est difficile, parfois, parce que vous comptez sur le progrès de l'économie, la croissance de l'économie dans sa globalité, et malheureusement, cette croissance-là ne vient pas pour des raisons diverses. Est-ce que, honorable, vous avez ces regards-là, justement, sur les conventions qu'on vous présente, pour essayer de réguler un peu que ça ne parte pas dans le social, sachant que le retour sur investissement n'est pas évident, et qu'il y ait peut-être des projets structurants à même de dégager des bénéfices et de financer finalement ces secteurs sociaux-là? Non, c'est vrai. Il faut dire que le rôle de l'État et l'objectif de l'État, ce n'est pas de dégager de la rentabilité financière, c'est plutôt de dégager de la rentabilité économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le professeur le disait, quand on construit une école ou bien un CSPS, c'est pour améliorer la santé de la population. En se disant que si une population est en bonne santé, cette population va participer à la production. Donc, il y aura un accroissement de la production, donc un accroissement, un recul de la pauvreté. Voilà ce que un État recherche en investissant dans les secteurs sociaux. Maintenant, le problème, ce n'est pas l'endettement, comme on l'a dit au début. Quand nous, au niveau de l'Assemblée, nous regardons les projets des conventions, mais ce sont des projets pertinents. Puisque quand on vous dit, bon, on veut prendre de l'argent pour construire la route de l'hôpital et à l'agro, qui va refuser ça? Quand on vous dit, bon, on va aller emprunter de l'argent parce qu'on veut construire l'hôpital de Bobo, aucun député ne va dire, c'est pas bien, c'est bien. Donc, on avalise, on donne l'autorisation, on dit au gouvernement, ce que vous avez présenté, c'est un bon projet, allez-y prendre de l'argent, venez construire l'hôpital. Le problème, c'est la mise en œuvre de l'argent qu'on applique. Et c'est ce que le monsieur de Sivoy parlait de l'efficacité peut-être de la dette. C'est pour dire que l'efficacité là, c'est quoi? Quand vous prenez l'argent pour construire l'hôpital, il faut que l'hôpital soit effectivement construit. Et bien construit. Et bien construit. Si l'hôpital, par exemple, vous avez décidé de prendre 100 milliards pour construire un hôpital de référence internationale, finalement vous en faites un CSPS, vous voyez qu'il y a un problème. Si vous n'avez même pas construit l'hôpital parce que l'emprunt qui a été contracté, a servi à autre chose, est passé sous les tables, etc. Il y a un problème. Oh. Ou bien vous construisez l'hôpital et une année après, l'hôpital s'écroule. Il y a un problème. Parce qu'il y a les 10%. Voilà. Donc c'est ça qui cause problème. Et ça, c'est la responsabilité non seulement du gouvernement, mais aussi du parlementaire que nous sommes, parce que c'est nous qui contrôlons. Nous parlons de votre responsabilité. C'est nous qui contrôlons l'action du gouvernement. Ouais. C'est nous qui devrons veiller, en tant que députés, veiller à ce que l'argent que nous les avons donné, parce que c'est les députés qui, le Parlement, qui votent le budget, mais ce budget-là à la disposition du cordon de la bourse. C'est comme dans une famille, quand le chef de ménage donne l'argent le matin à madame pour aller au marché, mais il doit s'assurer que les enfants ont bien mangé à midi, et très bien mangé. Ça aussi, c'est le rôle du parlementaire. C'est ce qu'on disait tantôt. Il ne faut pas que les gens pensent que ce travail-là, nous ne le faisons pas. Nous le faisons très bien, parce que, bon, peut-être pas très bien, mais en tout cas, nous le faisons parce que quand vous regardez déjà les 7 enquêtes parlementaires qu'on a pu faire en une législature, contrairement à 6 législatures qui n'ont pas encore fait ça, c'est déjà un progrès. Maintenant, il faut que ces enquêtes parlementaires, il faut que ce contrôle-là soit suivi d'effet. Et c'est là qu'est le défi qui nous interpelle en tant que parlementaires. Alors, on va prendre M. Samuel Sorgho qui nous appelle de Ouagadougou. Bonsoir. Oui, bonsoir. On va vous autoriser à poser une seule question. Oui, je voudrais juste revenir sur les définitions là, oui, concernant la dette extérieure et puis la dette intérieure. Voilà, ah, si j'ai bien compris, il est dit que la dette extérieure, c'est une dette contractée en monnaie étrangère, et puis la dette intérieure, c'est une dette contractée en monnaie locale. Bon, il se trouve que pour nous les profanes, bon, souvent quand on suit à la télévision, on parle de l'équivalence.
Même si la dette a été contractée en monnaie étrangère, on donne l'équivalence en monnaie locale. Bon, j'aimerais savoir quelles sont les implications de contracter une dette en monnaie étrangère ou plutôt en monnaie locale, surtout qu'on parle de parité fixe entre les monnaies. Merci. Professeur. Oui, effectivement, c'est ça. Si vous regardez les tables de la dette extérieure, vous allez vous rendre compte que pour certains pays, la dette extérieure est nulle. Si vous regardez les tables, les statistiques de la dette extérieure américaine, vous allez voir, c'est nul. La dette extérieure française, c'est zéro. La dette extérieure allemande, c'est zéro. Russe, c'est zéro, etc., etc. Et si vous regardez la dette globale, eh bien, la dette globale des États-Unis, je ne sais pas combien c'est. On ne peut même pas prononcer ça en France, CFA. Voilà. Donc, ça veut dire que la définition de la dette extérieure, c'est la dette libellée en monnaie étrangère, et la dette intérieure, c'est la dette libellée en monnaie nationale. Maintenant, on a besoin parfois de donner des chiffres globaux. Par exemple, on veut donner notre dette, le montant global. Donc, on est obligé de convertir celle qui est libellée en monnaie étrangère en notre monnaie. Et donc, on donne la valeur comme ça. C'est simplement pour pouvoir faire les additions ou des opérations arithmétiques qu'on fait cet exercice-là. Oui, mais quand on parle de taux, par exemple, professeur, avec un bon trésor local qui fait 6% et peut-être un prêt Banque mondiale qui peut faire 0,1% ou 1%, est-ce qu'en termes de valeur de change, par exemple, on ne se retrouve pas peut-être avec l'équivalent du montant de 6% en payant peut-être une dette contractée auprès des institutions financières en euros ou en dollars? Non, pas du tout. Pas du tout. Puisque si vous prêtez, par exemple, 1 en France CFA, eh bien, vous payez 6%. Et si vous prêtez 1, l'équivalent de 1 en dollars, eh bien, vous payez 1%. Donc, le taux de change ne joue pas sur le taux de l'intérêt que vous jouez et que vous payez. C'est exactement la différence là qu'on va constater au niveau du pays. Oui, mais on parle du montant, en fait. C'est-à-dire que le 1%, par exemple, est-ce que ça ne peut pas être peut-être si l'intérêt peut coûter 10 milliards, est-ce que 6% ne peut pas être 10 milliards en CFA et 1% en dollars, par exemple, converti en CFA aussi 10 milliards? C'est un peu la question. Je ne comprends pas bien. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas. C'est que moi, j'ai compris. Oui. C'est-à-dire que c'est préférable de prendre à 1% en monnaie étrangère à 1% que de prendre en monnaie locale à 6%. D'accord. On ne va pas préférable. Issouf Ginko nous appelle de Ouagadougou. Bonsoir. Là aussi, on vous donne une question. Merci. Bonsoir aux honorables députés. Voilà ma préoccupation. Vous voyez, les infrastructures du 11 décembre, c'est des grâces. Et maintenant, on va payer le crédit. Et on dit que la jeunesse est faite de l'âge. Mais vous construisez les infrastructures et ça ne sert pas à la jeunesse. Pourquoi? J'ai posé la question pour que notre représentation me réponde clairement, pour que vous ne continuez pas à venir payer les dettes et on ne voit pas ce qu'on a fait avec les dettes. Voilà ma préoccupation. Que Dieu vous accompagne et Dieu nous donne la santé. Et ça, c'est les jeunesses de notre territoire que les infrastructures nous ont imposées. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Ginko, honorable. D'abord, honorable Tendano. C'est vrai, c'est une préoccupation. Mais nous l'avions relevé au cours de notre enquête parlementaire sur les infrastructures, parce que nous sommes allés à Kaya, où il y avait des problèmes. Nous sommes allés à Manga, où il y avait également des problèmes. Donc nous avons visité l'ensemble des infrastructures réalisées dans le cadre du 11, parce que ça se fait sous forme de maîtrise d'ouvrage délégué. Bon, le problème au Burkina Faso, je pense qu'on l'a cité, on l'a ciblé tantôt, c'est d'abord la corruption. Deuxièmement, c'est l'insuffisance du contrôle. Et troisièmement, c'est l'absence de sanctions. Voilà les trois problèmes qu'on a pu identifier au niveau des infrastructures. Ceux qui font du bon travail, parce qu'il faut les citer également, on a suivi les infrastructures de l'ONG Aide et Action, ils ont appliqué ce qu'on appelle le contrôle du contrôle. On recrute des cabinets pour contrôler,
l'entrepreneur, mais ce cabinet également est contrôlé par un autre contrôleur. Et là, toutes les infrastructures, que ce soit dans l'éducation ou dans les autres secteurs, l'ONG Aide Action fait du bon travail à cause du contrôle du contrôle. Ici, dans le gouvernement. Il ne faut pas dupliquer. Dupliquer ça au niveau du gouvernement. Nous l'avons recommandé dans notre rapport sur la commission d'enquête que nous avons réalisée sur les infrastructures. Donc, réellement, il faut également que il y ait ce suivi-là. Deuxièmement, il y a également le contrôle citoyen. Nous l'avons également vérifié au niveau de certaines communes où les populations se sont impliqués dans la construction des infrastructures. Et là, c'est ensemble que nous devons faire ce travail-là. Parce que même si nous ne sommes pas des techniciens, on peut suivre quand même les dosages pour éviter qu'on nous donne des infrastructures qui ne tiennent pas. Le dernier problème, c'est que la qualité même des matériaux de construction pose problème. Nous avons auditionné le laboratoire national des choses et qui nous a dit que le fer de 8, par exemple, vous allez aller trouver, c'est écrit fer de 8, mais en réalité, c'est du fer de 6. Les ciments ne sont pas... Donc, il y a un véritable problème et il faut que le gouvernement continue d'interpeller et, d'interpeller le gouvernement et suivre au niveau de la base la construction de ces infrastructures. On a vu, je ne vais pas citer le nom de la localité, comme le dossier peut être en justice un jour. Donc, mais les populations... Mais c'est ça aussi votre rôle. Oui. Donc, les populations ont suivi, c'est à Pubaoré, à Kaya, où on a constaté que les populations se sont impliquées dans la construction de leur école. Donc, le dosage, on sait que par mètre cube d'agrégat, il faut 7 sacs de ciment, il faut... Donc, ils se sont impliqués. Et finalement, l'entrepreneur a abandonné le chantier parce qu'il ne pouvait pas continuer. Il voulait mettre des gros cailloux. Les populations ont refusé. Et l'école qui est construite, sincèrement, elle tient parce qu'ils ont surveillé la construction de l'école. Donc, c'est ensemble qu'on pourra améliorer. Sinon, nous sommes conscients vraiment de ce problème et c'est véritablement conseillé dans notre rapport. Professeur, on a commencé par vous, on va terminer par vous. Quel devrait être justement le défi de l'allègement aujourd'hui? Quels sont les mécanismes ou les stratégies que l'État doit adopter pour pouvoir donc réussir cet allègement-là? Bon, je pense plutôt que les défis viennent peut-être des leçons qu'on peut tirer de la COVID-19. Et quand je regarde ce qui s'est passé, je dis qu'on a eu l'occasion de se rendre compte que les pays ont appliqué l'adage selon lequel la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez vu des États donc qui ont interdit les exportations d'équipements et de biens. Et vous voyez déjà que pour le futur, il y a déjà des orientations pour, par exemple, les vaccins, etc., etc. On a dit, il y a Sanofi qui a dit que voilà, ils vont donner prioritairement aux États-Unis. Donc les États se sont couverts d'abord avant de penser aux autres. Donc il faut que nous nous posions la question, si demain, par exemple, il y avait une catastrophe quelconque et que les États, par exemple, refusent d'exporter les biens, les équipements, etc., ou que les frontières terrestres, que deviendrions-nous? C'est ça le défi. Et moi, je pense qu'il faut qu'on travaille pour que nous ayons un système de production, n'est-ce pas, qui nous mette un peu à l'abri de la dépendance dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et ça nécessite naturellement des réformes, et ça, ce sont les députés qui font les réformes, puisque c'est vous qui adoptez les lois, n'est-ce pas? Les réformes, ce sont des lois. Et ensuite, il faut des actions. Les réformes, moi, je vois trois domaines principaux. Rapidement, parce que le temps... Bien sûr. Bien entendu, c'est comme j'ai dit là, système, mettre en place un système porteur d'efficacité pour que les infrastructures que nous produisons soient efficaces. Et pour ça, là, il faut réformer la finance pour que nous ayons... Écoute, c'est pas la bagarre. On a vécu longtemps séparés. Et je sais que la nature a horreur du vide. Moi, ma nature n'a horreur que des intrus. Garde ça pour toi. Docteur Phil t'a toujours dit que c'est impossible pour toi d'avoir un bébé. Mais il a suffi que tu prennes la potion de la vieille Dogon pour tomber enceinte. Mais cette boîte est périmée depuis 7 mois. Raison de plus
pour l'écouler le plus rapidement possible. Plus tôt ce serait consommé, et mieux ce sera pour la date de péremption. Ça ne servira à rien. Ici, nous n'avons pas besoin de stagiaires. Je vais quand même déposer. Comme vous voulez. Et si tu es le nouveau stage. Pour progresser, il faut que nos gouvernements là s'engagent avec le privé dans le développement de notre tissu productif. Ça s'est passé comme ça en Asie, c'est-à-dire que le gouvernement appelle un privé pour dire « allez dans tel secteur ». Et moi, je vous accompagne. Regardez, dans le cadre du Covid-19, là, le président Donald Trump a appelé General Motors et a dit « vous fabriquez des respirateurs ». C'est quoi? C'est un partenariat public-privé. Donc moi, je verrais, par exemple, nos ministres qui puissent, par exemple, appeler certains opérateurs, dire « bon, vous allez dans tel domaine, nous, on vous accompagne », etc., etc. Donc, voilà, réforme structurelle, oui. Et puis, naturellement, action, et puis partenariat entre le public, c'est-à-dire l'État, gouvernement, et puis le privé. Merci à vous, Jacques Guetta Ouedraogo. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Ouagadougou. Merci à l'honorable Alexandre Sankara. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. À Monsieur Moussa Tendanon, vous êtes aussi député à l'Assemblée nationale, d'être venu faire donc cette émission avec nous. Merci à toute l'équipe technique dirigée par Yaouma Rémi Sommé et à mes confrères Draman Guéné et donc Vincent Kendrebogo qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bonne suite de programme sur la RTB. Vous avez rendez-vous avec Mounir Akiri à 23h pour la dernière édition du journal. Voilà.